Hi everybody! Hi Violette! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque le septième jour. À chaque fois, je suis perdu. Hein. Donc aujourd'hui, c'est le septième jour, la septième leçon. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir ce qu'on appelle le... Tu me reprends si je me trompe, si je le dis mal, c'est gancho. Okay? Parfait. Good, parfait. Ok, le gancho, donc ça va être un pied croisé, quoi. Donc, elle le fera beaucoup mieux que moi. Donc, je vais donner l'instruction, je vais envoyer le message à Violette de pouvoir effectuer ce mouvement de jambe. Donc, on part tout de suite en application. C'est parti. Ok. Fight! No, I'm sorry. One more time. And focus. Ah, je fais des mouvements que j'ai appris durant les autres leçons quand même. Hein. Quelques petits soucis d'équilibre de ma part. Focus. Regarde droit devant. Je viens d'improviser un mouvement là. Je suis quelquefois perdu avec la position de mes pieds. Il va falloir que je retravaille ça. Improvise. Très bien. Ok. C'est vraiment subtil. Le mouvement doit vraiment être subtil. Et c'est là qu'il faut faire attention à tous ces mouvements. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut vraiment contrôler toutes les parties de son corps. Parce que si jamais je contrôle mal les parties de mon corps, je vais lui envoyer un mauvais message. Donc si je fais n'importe quoi, que j'avance ici, là, que je ne pense pas à rester bien stabilisé ici, bah, voilà, elle va être perdue. Donc il faut vraiment que je lui envoie les bons messages. Ici, hop. Donc là, bien ici, il faut que je me relâche. Pour être en mode solo, ici, voilà. Je te mets en situation d'inconfort. Actuellement, encore de même. Ok. Actuellement, je suis ici. Ouais. Je fais ça. Ah, ok. Ah, ça, je l'ai pas vu, ça. Parce que je suis déjà ici. Oui, c'est ça. Et tu me donnes la direction latérale. Ok. Alors, je ne peux pas faire ça. Normal, je n'ai pas oui. Confortable, alors je fais ça. Ok. Et là, du coup, ma main, je la mets où? Oui. Quand tu sens... que j'ai besoin de l'espace. Faut que je te lâche. Change l'embrasse pour venir avec moi. Ok. Oui. Pour que ce soit fluide. Oui, tu sentis que j'ai besoin d'espace. Ok. On se refait un dernier. Oui. I'm sorry. Yes, I pull here. Uh-huh, très bien. Okay. I'm sorry.
Encore, ok, allez, on va terminer avec quelque chose de joli quand même. À toi, c'est joli, il n'y a pas à dire. C'est moi qui... Voilà. Donc, ce que je dois faire pour envoyer le message à Violette de faire le fameux gancho, c'est que déjà, je vais arriver proche d'elle, donc près d'elle, pour commencer, et je vais relâcher les épaules. Donc, relâche les épaules, parce que si je commence à me raidir, elle va penser qu'il faut aller là-bas. Donc ici, je relâche les épaules, proche d'elle, et là, je fais le petit mouvement qui va lui permettre de faire le gancho. Donc, deux choses. Je me rapproche. Je relâche les épaules et après, j'envoie la question. Et voici la réponse. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, on a terminé pour la 7e leçon. Oui. On se retrouve demain pour la 8e leçon. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas avoir la pluie. Croisons les doigts ensemble pour que demain, il fasse beau aussi. On vous dit à bientôt. À bientôt, Violette. À demain. À demain.